Lorsque vers 4 ans et demi, les enfants commencent à réaliser aisément des additions avec le matériel du système décimal, ils peuvent faire un pas de plus vers l'abstraction avec le matériel des timbres. Commencez par vérifier que l'enfant reconnaît bien les différentes catégories. Unité, dizaine, centaine, millier. Proposez ensuite à l'enfant de réaliser une addition. Mustapha a 4 ans et demi. Il est en deuxième année de maternelle. Il fait déjà régulièrement des additions avec le matériel des perles. Cette activité lui est présentée pour la première fois. Qu'est-ce que c'est une addition, Mustapha ? C'est quand on met tout ensemble. Notez le premier terme de l'addition. 2658. Placer ensuite sur la table les quantités correspondantes. Les unités, les dizaines, les centaines, et les milliers. Deux mille six cent cinquante huit. 2658. Notez ensuite le second terme. 3564. Placez maintenant sur la table les quantités correspondant au second terme. Ensuite, j'ai choisi combien, une dizaine là ? 6. Qu'est-ce que tu vas mettre ensuite, Mustapha ? Exemple. D'accord, Mustapha, et ensuite ? 3. 3 quoi ? 3 000. On fait une addition, alors on va tout mettre ensemble. On a mis ensemble, alors on écrit plus. Et pour dire égal, on va faire un grand entrée. Dénombrez ensuite les quantités obtenues en commençant par les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrêtez le dénombrement et rappelez que 10 unités, c'est une dizaine. Nous changeons alors les 10 unités en une dizaine. Combien il reste d'unités ? 2. Dénombrez ensuite les dizaines. Une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, six dizaines, sept dizaines, huit dizaines, neuf dizaines, dix dizaines.
arrêter le dénombrement et rappeler que 10 dizaines, c'est une centaine. Nous changeons alors les 10 dizaines par une centaine. Poursuivre ensuite avec le dénombrement des centaines. Une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines, six centaines, sept centaines, huit centaines, neuf centaines, dix centaines. Oh, Mustapha, 10 centaines, c'est pareil que quoi? Qu'est-ce que c'est 10 centaines? Tu te souviens? 1000. Lire, puis écrire le résultat de l'addition. 6222. Invitez l'enfant à lire le résultat à son tour. 6222. À ce stade, certains enfants n'auront pas encore le vocabulaire des dizaines. Ils liront alors 6200, 2 dizaines et 2 unités. Deux mille six cent cinquante-huit plus 3564 égale 6222. À toi, Mustapha. 5 plus 3664 égale 6 222. Invitez l'enfant à réaliser une nouvelle addition en choisissant lui-même les termes à additionner. Il pourra également réaliser quelques semaines plus tard des multiplications, des soustractions et des divisions.